burung pun dah buka tu. Et moi, je vais essayer de monter juste à côté dans la tour qui est là, si j'ai encore le temps. Vas-y, il y a une petite mosquée juste à côté. Donc là, c'est la machine qui monte. Et là, je vais essayer d'aller là. Les gens sont plutôt sympas ici. Il n'y a pas beaucoup d'occidentaux, et donc ils sont plutôt friendly. Bon, avec un peu de chance, je vais avoir de la place facile. On va voir. C'est 23 ringgit par personne. Tout à l'heure, là, il va faire noir, malheureusement. Le temps qui vide, là, et je pense qu'il y aura encore... je sais pas s'il y aura assez de place pour que je rentre déjà tout de suite, là, mais il faut que j'y aille maintenant, parce qu'il commence à faire bien noir, là. Le temps que les gens descendent, là... Bon, on voit qu'il y a pas mal de sièges quand même. Hein. Donc c'est une soucoupe qui monte le long d'un pylône. Bon, je sais pas si ça va être bon pour moi là. J'espère, mais c'est pas sûr. Ils en mettent pas tant que ça finalement, ou alors la queue était énorme devant. Là, il y a un... Normalement, ça devrait être bon pour la suivante, alors. Allez, c'est parti, c'est rapide, hein. Et là, je ne verrai plus rien, parce que c'est parti. Ça monte assez haut, ça monte à 100 mètres, hein. Monter dans une... Alors, la soucoupe volante. Allô. On s'assoit, hop, et on attend. Attention, départ imminent pour la montée infernale. Oh! Là, il y a une piscine olympique juste derrière. Zut, si j'avais su. On voit des rickshaws qui passent. Donc ici, on est sur la partie moderne de Malacca. Donc là, il y a le grand mall, là, le méga mall, des immeubles, des commerces. Et donc là, on voit la partie de la ville qui a été construite d'un seul tenant, là, un peu comme Gdansk ou je ne sais quoi. Ça fait un peu le même style. Alors la mer est derrière, là, joli coup de soleil sur la mer, là. Le pont. Le port. Alors le port est en bas, pas très éclairé. Mais il est là. Le canal avec les bateaux qui commence là. Avant de remonter vers le nord. Alors on voit là-bas Chinatown. Je ne sais pas si on voit le long du quai, là, il y a un grand bâtiment rouge. Alors là, malheureusement, la butte,
La butte est ici, là. Mais elle est dans le noir, la butte. Ah, zut, zut, zut. Donc, finalement, il n'y a que le McDonald's en bas qu'on voit, là. Malaka vu du ciel. Ah, la mer avec les jolies couleurs là. La mer avec le détroit de Malaka, donc c'est l'Indonésie qui est en face, la Sumatra qui est pas loin. Le canal. Faut pas avoir le vertige. J'espère qu'il n'y a pas un câble qui va lâcher parce que sinon. Saint-Paul Hill, la colline de Saint-Paul qui est juste en face, là on la voit pas trop là, c'est dans le noir avec l'église Saint-Paul. On était en plein dans l'époque coloniale, portugaise, Dutch, anglaise. Là, il y a des centres commerciaux. Ah, ici, il y a des hôtels, comme j'ai déjà dit, pas cher. Là-dedans. On voit les immeubles en bas, comment ils sont là. J'ai dû filmer, je suis bête. Là, il y a tous les rickshaws en bas, là. Je vais les filmer. Donc là, il y a le galion portugais qui est juste en bas, là, sur le port. Ça dure pas longtemps, on fait 5-6 tours et on descend. Bon, ça m'a donné une idée, je vais aller voir si j'ai encore descendu. J'espère qu'il n'y a pas un problème, sinon on est mal. Ouais, j'aurais pas dû venir ici. Voilà, c'est fait exprès pour toute la. C'est fait exprès pour foutre la frousse aux gens. En fait, je veux descendre maintenant. Oh là là, je sais pas, je sens mal d'un seul coup. Les rickshaws, toujours là. Elles sont chouettes, là. Festival de rickshaws, là.
On est sauvés. J'ai peur. Vite, outside. Ah, c'est trop de sous les jetons en fait. Parce que le pilier n'est pas énorme. Pour soutenir tout ça. Et là, on attend. Oh là, il y a encore du monde là. Thank you, Terima Kashi. Show au pied de la tour. Et la tour qui va redémarrer. Je vais la prendre en train de redémarrer là. Là c'est bon là. Oh. Ça y est, ça monte. Et là les gens qui attendent pour le prochain tour. Il y a du monde, ça marche bien, hein.